Et sous le soleil, le Touquet célébrait ses 110 ans ce week-end. Journée belle époque, brunch sur l'herbe et jeux anciens. La station balnéaire a revisité son histoire sur le thème de la nature et de l'élégance. Loïc Benesch et Cécilia Bress y étaient. Pour célébrer ses 110 ans, le Touquet fait le choix d'un bond dans le temps. Retour aux origines de la station balnéaire 1912 et la belle époque, en quadrille, naturellement. Alors c'est pratiqué partout, aussi bien au Touquet, à Deauville, à Paris, dans les plus grands salons. Et 1900, eh bien, rend l'apothéose, on danse énormément la journée et le soir. Le Touquet Paris-Plage, un art de vivre prisé par la haute société dès sa fondation. Il y a l'arrivée des oiseaux exotiques, eh bien on va avoir de plus en plus d'animaux exotiques sur les chapeaux. L'évolution de la station des 4 saisons est également retracée via une exposition temporaire. Bon, ça vient changer le paysage. Le musée municipal d'art en profite pour mettre à l'honneur institutions et personnalités de la ville, présentes ou passées. C'était aussi l'occasion pour nous de ressortir ces œuvres qui marquent le début du Touquet jusqu'à aujourd'hui. On a une culture qui est extrêmement riche sur ces 110 ans et donc c'était l'occasion de pouvoir la ressortir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de retrouver le Touquet, la belle époque, les monuments qui ont un peu disparu. Au Jardin d'Ypres, c'est l'heure du pique-nique ou du brunch, c'est selon. Un week-end d'anniversaire dans le pur style touquetois. Nature, élégance, en deux mots, c'est ce qui décrit le mieux le Touquet, selon moi. Et vous ne pouvez pas faire mieux. On vient ici le week-end, et puis on sait qu'on va retrouver des amis, et puis c'est convivial. Retrouver cette ambiance de début de siècle, des années folles, ça nous fait revivre le Touquet. Moi, ça me botte complètement. Le Touquet Paris-Plage, 110 ans après, un monde toujours aussi à part.